Alors, j'ai rejoint la MCB en 2004 en tant que Head of Corporate Banking, et ce jusqu'en juillet 2015, lorsque j'ai été nommé à la tête de MCB Investment Holding. Et donc, depuis le 1er mars de cette année-ci, j'assure la fonction de Chief Executive du groupe MCB. Ces 20 dernières années m'ont permis de mieux comprendre l'ensemble des activités et métiers de notre groupe, de mieux apprécier la qualité et la diversité des formidables talents que nous avons au sein de notre institution. J'ai aussi eu l'opportunité de travailler en étroite collaboration avec nos clients et de les accompagner dans leurs projets. Tout cela me permet aujourd'hui de mieux comprendre les challenges et les enjeux qui se posent, de même que les opportunités qui se présentent à nous. Je prends aujourd'hui la barre d'un groupe qui jouit d'une excellente fondation. Et à ce titre, je voudrais rendre hommage à Pierre Guinoël et lui dire merci pour avoir fait de la MCB ce qu'elle est aujourd'hui. Nous vivons dans un monde qui est en perpétuel changement. Cela exige de nous que nous soyons agiles. Nous ambitionnons d'être la banque des transitions pour l'ensemble de nos stakeholders, d'être la banque de la transition écologique, avec une raison d'être ancrée dans les réalités de notre époque et qui intègre les enjeux environnementaux et sociétaux. Nous voulons être la banque de la transition digitale, qui propose non seulement une meilleure expérience à nos clients, mais qui aussi leur ouvre de nouvelles opportunités pour développer leur fonds de commerce. Nous voulons aussi continuer à nous développer et à nous diversifier à l'international, tout en consolidant et contribuant à placer Maurice comme un centre financier international d'excellence, une passerelle intercontinentale où nous pouvons pleinement jouer notre rôle avec l'ensemble des stakeholders dans cet écosystème. Nous n'y arriverons pas sans une culture d'entreprise solide qui connecte nos actions à notre raison d'être et aux attentes de nos clients. Et cela exige de nous que nous anticipions les défis, que nous nous remettions constamment en question et parfois même faire preuve d'audace. C'est bien cette culture d'entreprise solide qui nous permettra encore plus demain de consolider notre leadership dans la région et sur le continent, de créer une prospérité durable et inclusive pour Maurice et pour l'ensemble des pays dans lesquels nous opérons.